Comment répercuter le son de nos voix en gestes et incidents quand on sait que ces voix communiquent entre elles, qu'elles se chevauchent, qu'elles s'imitent, ou qu'elles se désagrègent au moindre souffle émis par un volcan qui s'échappe de son cratère. Je n'aurais tiré aucune conclusion hâtive si l'on m'avait certifié que je traverserais alors un espace aux escarpements prodigieusement excitants. L'espace vivait des ralentissements passionnants et j'exultais à m'imaginer arpenter un si curieux décor après les forêts. Les voix prenaient des airs où le doute se mêlait au plaisir. Dans les virages, les voix bougeaient si vite. Je tentais en vain de m'arrêter, bloquer l'entrée du conduit par quoi passait l'air, afin d'accéder à ma transparence. Car je suis un transparent, né au début d'un siècle impatient et sombre. J'étais là pour effectuer une visite précise dans ces paysages qui avaient connu l'effondrement, l'incendie, mais aussi l'inondation, l'arrachement des sols, le détachement des collines. Une guerre avait dissous les habitants. Pourquoi toujours donner un cadre aux choses, un profil à des paysages, une fixité aux nuages? Très sollicité sur l'extérieur, nous avons Monsieur Spéfit débordé maintenant par Morgane qui revient de l'arrière-garde et qui vient maintenant au troisième rang. Ils vont aller sauter maintenant le coup de fil. Feinte heure de départ. J'ai adoré déjouer les attentes et bousculer les ordres d'arrivée. Disposition paradoxale, mélange d'adresse et de souplesse. Le temps est pour moi une technique martiale, impassible et distanciée. Pardon ?
Arrivé provisoire de cette deuxième course, Frigetti, le pilote en chef, premier numéro 6, c'est ce Giroc, propriétaire de Pascal Chenin. Sorgène est aidé par Pascal Chenin et la photographie pour la deuxième et troisième place entre le numéro 11, Kermazé, le numéro 1 sur Charles. Une manière de fendre les situations, les foules et les regards étonnés. Voilà. Donc, le fait d'histoire de Pascal Chenin que l'on va recevoir quelques instants sur le podium. Ce film, c'est le pari aux paramètres imprévisibles. Ça tient de la collecte d'images et du collage. Un vrai montage à l'envers, avec le travelling, toujours cette fameuse affaire. Saisir le désordre, ne pas perdre la prise, être raccord, sans en avoir l'air. Garder le plan séquence en ayant conscience du spectaculaire. Super-héros fantasque et solitaire, je pratique l'épuisement à loisir. J'en profite pour faire durer le plaisir et créer l'attraction sur le mode d'une apparition. Moment sans fin, entre ciel et terre, acrobate songeur et suspendu, j'ai continué ma marche de Sioux. Jamais à la corde, sans changer de point de vue. Le premier est le numéro 2, Kirta. Propriétaire Madame Pierre de la Guillonnière est entraînée par Étienne Lindbergh, c'est démonté par Adrien Poissier. Deuxième, le numéro 4, Cédric Desvigneaux. Troisième, le numéro 11, Guilin de Mazille. Quatrième, le numéro 12, Cantinoun. Cinquième, le numéro 3, Quinta. Sixième, le numéro 5, Kevin Boulaire. Et septième, le numéro 9, Tibble. Funambule furtif, magistral, je reste sur le fil et j'entame ma promenade dominicale. Mon hobby du week-end, une science de l'allure et de la célérité. Annoncé par le speaker, je glisse dans le milieu du cheval avec dextérité. Exquise esquisse, délicieux mutant, tu navigues camouflé au grand air. Ton déplacement, sport de combat qui consiste à affoler les caméras, hante cet après-midi d'automne.
parmi les casaques à pois, vertes, jaunes et rouges. Tu fais partie du décor ou c'est l'arrière-fond qui bouge ? Le port imperturbable, la silhouette de samouraï de série B majestueuse, trajectoire impeccable et silencieuse. J'ai manié le ralentissement et la concentration. Une question de synchronisme et de tension. Entre l'art du cirque et l'hybridité que je cultive, je prolonge ce mouvement devant les turfistes des gradins. Intrus de marque, outsider de fiction, j'arpente et prépare mon évasion. Et le hors-champ ? Que fais-tu du hors-champ ? Si jamais le sujet disparaît du script, que diront les spectateurs ? J'ai suivi l'échappée et pris la poudre d'escampette, ligne changeante et ouverte. J'ai devant les yeux, après ce défilé, l'horizon, encore et toujours, intact et dégagé. Être une heure seulement, joueur, inquiétant et improbable à la fois. J'étais là, troublé par les désordres géographiques, guidé par les voies et cherchant les failles à travers lesquelles je pourrais rassembler le maximum d'informations. Car c'était ici, et seulement ici, que s'étaient déroulés les premiers événements qui conduisent à notre situation actuelle. La guerre des airs avait bien eu lieu, avec la guerre des mers et des paysages. Thank you.
Fait la sécurité. Les commentaires vont encore aller bon train. Quand je suis arrivé, je ne pensais pas qu'on me prendrait pour un survivant. J'avais fui, c'est vrai, mais je revenais confiant, enfin plutôt optimiste. Rien n'indiquait donc que j'allais essuyer une drôle d'averse d'oiseaux qui n'était pas encore empaillée. D'abord, je les imaginais sautillant, sifflant, perchés, puis prenant leur envol. «
Tu ne vas tout de même pas me faire le coup du film. Les oiseaux, c'est nous. Et nous, nous changeons, nous nous transformons, tu vois. Et tu rêves d'un empaillement radical ? Ce qui importe, c'est de sentir la fin d'un règne, pas d'un monde. Je me demande ce qui peut te motiver, franchement, dans cet étalage d'ailes atrophiées. Je ne me prends pas pour un oiseau, mais pour un dieu après sa chute, qui plonge dans une foule qu'on a fait taire et qui admire la faune en se marchant dessus. En contemplant nos ébats, les oiseaux, eux, se chient dessus. C'est embêtant. Pathétique, pas critique, pas comique, pourrave, patibulaire. Tu vois, la liste peut être longue. Le temps du dialogue, capoute. Les mythes, disparus. Pour mourir, n'oublie pas. Le goudron, je l'ai remplacé par du chocolat. Tu m'insultais. Aujourd'hui, tu m'es entièrement soumis. Et nous nous ébattons. Le vent dans les oreilles avec des hymnes nationaux. Nos voisins bâillent. On quitte un parc pour un autre, mais je me pose encore la question. Nous a-t-on vraiment vus ? Parfois, j'en doute. Et malgré notre accoutrement, l'odeur persistante qui prolonge notre passage, ne sommes-nous pas seulement des fantômes de sucre et de plumes qui se dissolvent dans l'air pendant que les humains se rassasient devant les meubles? Dans les zoos, qui a peur? Les enfants eux-mêmes ont l'inquiétude fort peu excitée. Et que fait la sécurité? On a le droit de chanter, mais pour combien de temps? Je dis qu'il faut doucement bouger au risque de nous enflammer. Et que reste-t-il de nos chansons dans les allées des zones d'acclimatation? Et au fur et à mesure que nous nous déplaçons, tout se réduit. Nous devenons d'abominables hommes de plumes. Je suppose qu'une montée de température suffirait pour nous voir glisser sur les parois ou les escaliers. Personnellement, je rêve de voir se déchirer les voiles. La catastrophe annoncée comporte de petites instabilités. Comme un film apocalyptique où rien n'est montré. Ni les fissures du sol, ni les épluchures que le ciel enverrait. Les carlingues s'amassant sous les chocs. Où les milliers de bêtes écrasées par d'affreux dressages, où les milliers d'humains convaincus trop tard qu'il aurait fallu faire quelque chose pour sauver leur peau musclée de bêtes. Bref, une pagaille. Cela sera difficile de jouer les Laurel et Hardy de cette nouvelle apocalypse. Et je maintiens que si nous sommes à moitié morts, nous sommes à moitié vivants. On ne referme pas le mythe si aisément. Les paysages avaient grandi, mais par un curieux sort, ils s'étaient dépliés, soulevés, épaissis ici, affûtés là. Ils s'étaient déplacés, avaient roulé ou s'étaient encastrés entre deux trombes humides. Ils s'étaient saisis d'un mouvement qui permettait de les voir recto verso. Les paysages tournaient, et entre chaque secousse me parvenaient ces diables de voix qui semblaient me héler pour m'attirer vers leur exil. I love you, just you. Hey, da be dan don do, da me dan don ba dan don me da 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 da
Le monde peut bien tourner à l'endroit, à l'envers. Les platines s'accorder au gré du son des affaires. Roule, roule, et garde en tête cet itinéraire. Adopte le ton de ce libre-échange éphémère, fruit de rencontres particulières. Sur fond de flux planétaires, d'accélération désastre et de chute financière, toujours sur la route, tu balades ton espoir fragile au rythme d'une chanson populaire. Nomade intrépide, tu recherches les caisses de résonance, les endroits de séjour, une ritournelle du retour et de ses fulgurances. Cravate noire, costume de rigueur. Attention, drôle d'atmosphère et de couleur. Le sérieux semble de mise. Excusez-moi, vous appartenez à quelle entreprise? Attendez, une seconde. La valise? Chemise et mine compassée. Le temps d'une résidence étrangère. Ce sont les chercheurs de sons et les infiltrés que tu préfères. Nouvelle Eldorado. Jive et Ken en mode solo techno tentent l'ultime percée dans la city du camion. L'improvisation de l'écriture d'une partition que l'on orchestre à la manière d'une carte postale du front. La mélodie de l'errance et de la non-appartenance, une envie qui s'exporte à l'international, la mémoire du passé et d'un continent natal. Anglais du Sud, spécimen exotique, tu conviais ainsi en variétés inédites la rumeur des gares, des aéroports et des instants en transit. Une saudade mentale, évocation du pays lointain et des origines. Combine de main un jeu de malin, à la faveur de ce set musical, tu optais pour le sentiment océanique, un désir cosmopolite, l'écoute et la dérive géographique. زمانے کے یارو جلن ہے نرالے جہاں تن ہے اجلے مگر دل ہے کالے زمانے کے یارو جلن ہے نرالے جہاں تن ہے اجلے مگر دل ہے کالے پردیسیوں سے نہ کیا ملانا پردیسیوں کو ہے ایک دن جانا
परदेसियों से ना किया मिलाना, परदेसियों से ना किया मिलाना। सच ही कहा है पंचीन को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, आज यहाँ है कल। En écho, ces fragments captés d'outre-mer, boucles sensitives, récits de souvenirs qui s'organisent selon des échantillons et des influences que l'on puise, telle une vacance temporaire. Une façon d'habiter une musique, l'hôte de ces contours d'existence que l'on retrace, comme l'on tourne le bouton et construit des variations fugaces. Qui augmente les volumes et les cadences, tu choisis les décalages horaires et les clins d'œil aux oiseaux de passage, parce qu'ils ont le vent dans les yeux, l'idée d'un endroit ensoleillé sur le visage. L'exil est un mix improbable d'identité, d'inquiétude et de fatalité. Si les langues s'attrapent telles des courants d'air, elles restent le support de voix et d'intonations singulières, une histoire d'accent, de transport intranquille et de franchissement de frontières. Tu as donc voulu traduire le mouvement de ces révolutions saisonnières et des migrations, diffusant en douce ce parfum de contrebande, portant haut le fanion de la trance globale underground. Richesse première, disque vinyle, galette noire, îles sur lesquelles ne jamais ne s'arrêtent de flotter les sonorités rares, le souffle du rêve et des nouveaux départs. L'hacienda est toujours à construire, en vue d'une destination à venir. L'utopie est une partance, devant cette discothèque du voyage immobile, clandestin du style, du danse. Bonjour, merci beaucoup. Thank you very much, Tashakur, Khair Zia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci à vous. Merci, merci beaucoup. Thank you very much. Bonjour, bonjour, Tashakur. Bakhair Adjour. Thank you.
À quel moment aurais-tu préféré que tout se calme ? Ralentir. Tu marchais contre le flot ignoble des femmes, des hommes, dans l'odeur des shampoings et des parfums. Tu marchais contre le goût, solitaire, folle, libre, abîmée, vestige de chair et de toc, vertige de pacotille, un tout petit peu trop attifée, trop rose, trop peu habillée, déshabillée. Et pour couronner le tout, un micro à tes lèvres. Car tu parlais à la foule, à toi-même, à la caméra qui te suivait avec une dévotion particulièrement insistante. Je t'imaginais double. Ton épuisement était ton calvaire. Tu crevais l'écran. Tu crevais sur place. Et l'on riait sous cap, où l'on ne te voyait pas. Tu étais là aussi une apparition. Un fantôme rose, bougeant selon les mouvements que ferait un automate en proie à la répétition des mêmes phrases qui pouvaient sonner creux et qui, à mesure qu'elles étaient dites et redites, devenaient psaumes. Tu ne voulais faire tourner aucune tête, peut-être en gifler certaines au passage, t'agripper à des cheveux, arracher une oreille, pincer des fesses, courir et crier. Ton rire, parfois, sonnait derrière le masque. Les hommes, les femmes en tout cas, elles étaient plus nombreuses, inquiètes de plaire, des inculpées du charme. Des mémés et fifilles, les méfilles, des informées, des amoureuses. Et toi, brusquement, brutalement presque, tu bousculais le jeu. Tu donnais l'impression de t'être égaré. La comique qu'on n'attend pas. La burlesque qui s'est trompée de séance. Ou même d'époque. La fille publique devenue impudique. Sous l'œil, bien sûr, des caméras qui s'étaient invitées ce jour-là pour sauver cette danse de l'oubli. Figure fêlée de la séduction, s'adressant à tous et à personne, tu échangeais ton humeur contre un soupçon de légitimité. Ton luxe, c'était ta méticulosité à malaxer tes phrases, dans le bon ordre, avec l'accent britannique que rien n'intimide. Tu tournais donc, entraînant la suspicion plutôt que l'effusion. Interloquée, la foule avait pris la tête de l'emploi. Elle n'avait pas cessé de respirer, mais elle était sourde. Glamoureuse et populaire, un brin grimaçante, les poings collés au guidon du bon goût, tu entamais ta valse idiote, appelant ta mère et ton père à comparaître pour interroger la curiosité de ta nature. Désirez-laisse insatiable. Aller à la cueillette pouvait être la solution. Cueillir ainsi des signes d'indépendance au sein d'une population sujette à des prises de conscience pour le moins inattendues. Tu rêvais. Car les mots, à les répéter sur un même ton, perdent leur signification pour accéder à une nouvelle tonalité. De nouveaux membres de phrases surgissaient, débarrassés du cauchemar des toilettes, frémissants, inédits, troublant la langue, la française, négligeant la grammaire, incohérente. Je rêve d'être tiré avec un trépas. Jour fertile, je pèle les gorges qui frissonnent. Je lève des livrets de pingres avec mes pintes aimables. Bonjour, je m'appelle Georgia Nelson et je suis la plus belle. Je ne suis pas au top, mais je fais mon mieux. Je rêve d'être tiré à quatre épingles et d'être une peintre remarquable. Pourquoi j'aime les trous? Je le dois à ma mère. J'ai le pot de mon père. Je ne suis pas au top, mais j'essaye. Bonjour, je m'appelle Georgia Nelson et je suis la plus belle. Je ne suis pas au top, mais j'essaye. Je rêve d'être tirée à quatre épingles et d'être une peintre remarquable. Pourquoi j'aime les trous? Je le dois à ma mère. J'ai le pot de mon père. Je ne suis pas au top, mais j'essaye.
Je m'appelle Georgia Nelson. Et je suis la plus belle. Je ne suis pas au top, mais j'essaye. Je rêve d'être tirée à quatre épingles et d'être une peintre remarquable. Pourquoi j'aime les trous? Je le dois à ma mère. J'ai le pot de mon père. Je ne suis pas au top, mais j'essaye. Je m'appelle Georgia Nelson et je suis la plus belle. Je ne suis pas au top, mais j'essaye. Je rêve d'être tirée à quatre épingles et d'être un peintre remarquable. Pourquoi j'aime les trous? Je le dois à ma mère. J'ai le pot de mon père. Je ne suis pas au top, mais j'essaye. Bonjour, je m'appelle Georgia Nelson et je suis la plus belle. Je ne suis pas au top, mais j'essaye. Je rêve d'être tirée à quatre épingles et d'être un peintre remarquable. Je ne suis pas au top, mais j'essaye. Pourquoi j'aime les trous? Je le dois à ma mère, j'ai le pot de mon père. Je ne suis pas au top, mais j'essaye. Je rêve d'être tirée à quatre épingles et d'être un peintre remarquable. Je ne suis pas au top, mais j'essaye. Pourquoi j'aime les trous? Je dois à ma mère. J'ai le pot de mon père. Je ne suis pas au top, mais j'essaye. Je m'appelle Pourquoi je vous aime tous? Pour vous cocher mon droit. Puis je m'éclipse. Avec Bébert. Dans les courants d'air qui s'étaient fébrilement levés, bruissaient, brillaient, brûlaient les mille voix attendues. Campés dans la fronde, un opéra s'écrivait, j'ajustais les appareils. Si les apparences étaient trompeuses. Déroulé épars, le temps qui court n'est peut-être qu'un agrégat de vignettes curieuses mises bout à bout. Au fil du hasard et des circonstances, une série de séquences à recomposer, autant de pellicules à découper, agencement quantique des événements du train de la vie et d'un rapport au passé, du voyage dans le temps et d'une théorie de la relativité. Un couloir d'Alice et des merveilles, l'espace à emprunter de disponibilité. Les cours sont faits par des enseignants comme M. Naïm, donc voilà, pas par des élèves. D'accord, on a maintenant une équipe, et je j'ai de l'informatique. L'objectif n'est pas là, mais c'est déjà d'avoir fait ça. Comment ça allait se dérouler. Je sais, non, je ne sais pas ça. Donc le test, on est pas sur parfaitement différent, un éditeur qui est un jeu.
À 17 ans, effectivement, on peut bien le voir. Avez-vous rencontré le colporteur d'aventure, ce collectionneur de choix, scribe d'attitude et de bonne aloi? Demandez-lui la carte des possibles, là où un verbe suffit pour que tout se décide. Jeu de divination et de piste amusée. La surface sur laquelle vous pouvez griffonner. Une idéale réversibilité, la projection d'un bon mot ou d'une idée. Écrire la trame décisive, ouverte et indécise. Un scénario fatidique et le fantasme d'une destinée homérique. Vous savez, c'est arrivé le matin, cette idée est arrivée le matin, quand je me lève ou je me lève pas. Donc là, vous vous dites, bon, je travaille ou je travaille pas. C'est la grande question. Ah. Non, tu mets simplement ton prénom. Voilà. Comme ça, tu peux le garder, tu peux le mettre au-dessus de ton bureau, ou de ton lit, là, peut-être. Là, il y a quelqu'un qui a marqué se lever ou ne pas se lever. Un projet, hein. Là, on a conduire ou ne pas conduire, être ou ne pas être, évidemment. Donc, vous le mettez une fois, vous le mettez une deuxième fois, un exemplaire pour moi, un exemplaire pour vous. Chanter ou ne pas chanter. C'est un projet de vie, quoi. Mais oui, c'est bien, ça. Allez-y. Oui, c'est un bon verbe, ça, c'est bien. Hop. Voilà pour vous. Conservez, bien sûr. Voilà, Claire. C'est moi. Bonne journée, alors. Ah ben, je vois le verbe jouer, je vois. Je comprends, ça y est. Ça peut être professionnel ou intime. Hein. Vous pouvez faire des enfants, si vous voulez. Hein. Ça peut être un projet de vie. Hein. Un verbe, oui. Ah, juste un verbe, et une fois que vous l'avez, vous le répétez deux fois, en deux exemplaires. Comme ça, il y a un exemplaire pour vous et un exemplaire pour moi. Regardez, là, il y a manger ou ne pas manger, par exemple, ce qui est un projet de vie. Hein. Pensez tout de suite au chocolat, vous. Hein. Et vous mettez deux fois votre prénom, voilà. Exemplaire unique. Voici, merci beaucoup. Voilà. C'est moi. Vous l'avez pas fait, alors, mademoiselle? Non? Ah, super. Alors, je peux regarder? Aider ou ne pas aider? C'est un bon projet. On n'est pas obligé de gagner de l'argent, mais vous pouvez gagner de l'argent aussi. C'est pas moral. Vous voulez bien le faire? Eh bien, vous trouvez un verbe qui résume le projet de votre vie. Ça peut être intime ou professionnel. Et vous l'écrivez une fois, deux fois, vous le faites en deux exemplaires. Un exemplaire pour moi, un exemplaire pour vous. Que vous pouvez mettre dans votre chambre après religieusement, le matin au soir. C'est ça mon projet de vie, enfin, vous voyez le genre, quoi. On sent la motivation. Motivé ou ne pas être motivé, ça marche, hein. Comme ça, vous voyez, il y a marqué des gens qui ont marqué aider ou ne pas aider. Par contre, pour rentrer chez nous, il faut quand même être déterminé à faire de l'informatique, parce que dans le cycle préparatoire intégré, tu vas faire sur 35 heures de cours, 15 heures d'informatique semaine. Voilà. Alors imagine par exemple que tu n'es pas trop déterminé, alors que tu arrives sur le bac, d'accord, et que tu te dises peut-être l'informatique, mais peut-être pas que l'informatique, pourquoi pas une informatique associée à autre chose, il ne faudra pas venir nous rejoindre après le bac. Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas. C'est pas. On met en rire alors. Voilà, en rire. C'est bien. Merci hein, d'être venu. Merci. Vous en fait, c'est pour faire quoi, enfin... Une collection. D'accord. Ah, il faut dire. C'est bon. Maintenant, là. Alors le projet, le verbe. À troquer sa boussole, l'existence n'a-t-elle pas plusieurs sens? Devant le panel des propositions, ouvertes vers de multiples directions, la vie est cette traversée, faite en même temps de moments arrêtés. Cette logique du défilement, comme l'on compte les jours en passant. Le désir se trouve attiré vers des pôles magnétiques et produit des basculements et des renversements hypothétiques. 13
projet très incertain. Mais c'est pas grave, vous pouvez douter ou ne pas douter. Ça, c'est un projet de vie. Oui, non, c'est bien, merci. Oh. Allez, ah, je ressens de l'enthousiasme. Allez, de l'enthousiasme. Allez, de l'enthousiasme. Voilà, découvrir ou ne pas découvrir. Connaître ou ne pas connaître. Réussir ou ne pas réussir. Soigner ou ne pas soigner. Être ou ne pas être. Faites gaffe. Hein. Faut qu'on ait des beaux espaces pour vivre. Merci à vous. Bonne journée. C'est gentil, merci. Et puis là, vous mettez votre prénom. En plus, vous aurez un truc signé d'un artiste et tout. Qui sait, c'est peut-être la première pièce de votre collection. Voilà, et si j'ai pas d'idée. Réfléchir ou ne pas réfléchir. Évoluer. Évoluer, bah, c'est pas mal. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez faire après, là? Vous savez? Voilà, je sais pas. C'est un bon projet, hein. Tenez, c'est pour vous. Merci, bonne journée. Au revoir. Ça peut être avoir des enfants, mais ça peut être gagner de l'argent, défendre les pauvres. L'objectif pour vous, c'est quoi? C'est que c'est d'en faire des collectionneurs. C'est leur première œuvre. Bien. Pas très bien saisi. Vous allez faire quoi avec ces petits trucs? C'est une collection après, comme des papillons en fait. Il y a un concours? Non, pas du tout. Oh là là, non. Voilà, ça veut dire que vous avez aussi un exemplaire pour vous. Voilà. Merci. Bon, bonne journée à vous. Merci. Alors, c'est pas forcément professionnel, hein. Ça peut être aussi intime. Hein. Avoir des enfants, faire la guerre, voilà. Vous le répétez deux fois, vous voyez, comme ça. Aimer ou ne pas aimer. Donc ça, c'est pas professionnel. Vas-y, ça peut être professionnel aussi, on peut aimer dans le travail. Voilà, vous l'écrivez deux fois, et puis après, ici, vous mettez votre prénom. Le projet de votre vie, comme ça, en courant. C'est peut-être courir ou ne pas courir. Non. Pas de projet de vie? Bon courage. Physique fondamentale de recherche. Eh ben, ça peut être marrant, ça. Faire physique fondamentale de recherche ou ne pas faire physique fondamentale de recherche. Ah, c'est sympa. Elle s'est sauvée? Oui. Sauvée ou ne pas sauvée, elle aurait pu le mettre. Hein. on est passé à côté d'un bon verbe, quand même. Oui. Un verbe. Ouais. Le verbe de ça, c'est gagner. Il est là. Tu peux mettre de l'argent. C'est pas un projet moral. L'adolescence est ce soulier de verre chaussé avant que minuit n'arrive. Le moment où l'on imagine le champ vaste des opportunités, avec, devant soi, une géographie personnelle à inventer. Vous dansez, mademoiselle? Hôtesse de l'air? Pardon, vous désirez une fantaisie militaire? Prenez mon crayon avant que le train décolle. Espérance de vie demandée. Tout le monde s'acharne, s'échine, s'achiale. On va vers des émancipations qui nous affolent. On s'agrippe, oui, à la vie. On refait le tour. On emprunte à nouveau les allées. On tombe. On ressuscite.
et on n'en a jamais marre, sauf exception. Et 3, 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. La vie brouillonne est là. Chacun peut devenir le médecin de l'autre, le sauveteur, le magicien talentueux. L'inanimé, d'un geste vif, soulèvera à nouveau des montagnes, chantera sous les tonnelles, lèvera son verre en retenant sa respiration. L'inanimé nous rejouera son cinéma. L'espace est donc fragile. Nos histoires l'inondent et le film que nous laissons défiler nous confond. À trop voir l'homme, nous nous étions éloignés. Les cohortes d'humains nous font rêver au désert et nous nous voyons engager nos pas dans la neige, oui. Nous aspirons à une écriture sans intention, quand l'idée viendrait tardivement. Nous consentons à réchauffer un corps gelé. Espérance de vie, donc. Bruit, voix dans les tumultes. Comment, d'un geste bref et précis, rendre élastique la peau, remettre de l'air dans les poumons, accepter la tyrannie du mécanisme des corps. C'est l'été. Il n'y a pas de clientèle d'amateurs pour la vie. Mais il y a aussi des flambeurs, des irradiés, des impatients. Il y a la foule des vivants qui attendent. L'empathie améliore le bouche-à-bouche. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Il faut essayer. Ne pas toucher le patient. Vous pouvez toucher le patient. Essayez d'appuyer un peu plus, si vous voulez. J'essaie de... Et vous, continuez comme ça. Allez-y, faut être à l'aise. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, les appareils permettent qu'une soit d'un côté. Bonjour, bah, je voulais essayer. Faut faire la queue. Oui, oui, bien sûr. Hein. Là, je fais un petit tournage avec des gens là, pour un truc là. Et, voilà, donc je vais te filmer à le faire. Bah, pour une œuvre d'art, en fait. Une œuvre d'art. Oui. Et en fait, c'est pas moi qui décide. Oui, je vais. Parce qu'en fait, moi, ça m'intéresse. C'est-à-dire que je suis artiste et donc quand j'ai vu votre. Ce colloque, là, je viens de Paris et on m'a dit de choisir un événement ici et j'ai choisi ici, là, cette manifestation. Vous avez fait un bon choix. Oui, bien sûr, parce que je me suis dit, en fait, avant, j'étais très peu civique comme garçon. Je vote depuis l'année dernière, vous voyez. Ouais. Puis je me dis, c'est vrai que sauver quelqu'un, c'est quand même super, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un minimum, quoi. On espère. Oui. On espère. Et voilà, et au minimum, je ne savais pas le faire. Voilà. Donc, mais j'ai envie d'en faire un truc, vous voyez, un petit film là-dessus. Donc voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est que je vais mettre des gants. Parce que c'est pour montrer que j'ai et un masque, parce que j'ai le rapport à l'autre. J'aime bien sauver les gens, mais les toucher, ça me. Et vos gants et votre masque. Oui. Vous l'avez en permanence. Ils sont là. Oui. Des fois, moi, je. Jour et nuit. Non. Non, mais ah, ils sont avec moi. Non, mais j'essaye de comprendre avec moi. Pourquoi. Parce que c'est parce que c'est de... Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, parce que moi, je suis un secouriste. Ah, mais c'est normal, bien sûr. Avec les gants et, voilà. Et les masques, voilà. Nous, on y vient d'accord. Pour moi, c'est pour montrer le rapport à l'autre qu'il y a dans cette société un peu hygiéniste, vous voyez. C'est qu'on ne se touche plus, quoi. Vous voyez. Vous comprenez. On a la peur de l'autre. En fait, tout ça, c'est la peur de l'autre, vous voyez. Et ça, c'est comme une métaphore, vous voyez, ce que je fais. Oui, mais je ne sais pas, vous faites partout, parce qu'il n'y a pas que ça à travers ça. C'est-à-dire d'avoir ça, pas. Oui, qu'est-ce que vous voyez, vous, d'autre? Il y a une protection par rapport à plein d'incidents qui peuvent arriver, en cas de maladies transmissibles. Oui, d'accord, mais là, oui, justement, là, je vais... Là, limite, là, on peut intervenir à main nue. Bien sûr, mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est, je fais une œuvre d'art, vous voyez. Donc, je fais une métaphore. Oui. Donc, en fait, c'est-à-dire que même que quand c'est un mannequin, c'est l'idée de l'autre, vous voyez. Oui, le mannequin est l'idée de l'autre. Oui, je suis d'accord. Et voilà. Et donc, je mets mes gants. Il a prévenu. Il met des gants. Comme pour dire la vérité. Réaliser une œuvre d'art en augmentant la vie.
autant biaisé avec une armée de mouches. L'histoire récente du tourisme culturel ne doit pas nous faire oublier les effigies monstrueuses contenues dans un chef-d'œuvre. Débarrassés de l'ennui scolaire où nous aimerions continuer à vivre, nous nous inventons des parcours en eau trouble. L'animal quitte ses territoires hostiles, déplaçant sa colère vers l'homme qui souhaite à son tour l'apprivoiser. J'oublierai avec autant de désinvolture mon passé d'humain associé. Et si celui qui me sauve prenait magistralement le rôle de l'intrus ? On joue l'action. D'accord. Donc en fait, moi je vous dis d'abord, voilà, c'est cette dame, comment elle s'appelle déjà ? Anne. Anne. En fait, moi déjà, je vous décris mes impressions que j'ai. Bah, je la connais pas. Il est tard le soir. Elle tombe. Alors, elle n'a pas l'air heureuse. Elle est habillée pauvrement, disons. Elle a des habits de pauvre, quoi. Genre supermarché, de sport. Peut-être qu'elle est malheureuse. Peut-être qu'elle est SDF, peut-être. Hein ? C'est possible, c'est possible, c'est possible. Peut-être qu'elle se lave pas. Non, mais c'est possible, je veux dire, on a tout... Et en fait, je sens que je dois faire quelque chose. Et est-ce que je vais oser le faire, quoi ? C'est ça, le truc. Je me pose la question, quoi. Est-ce que je vais oser la toucher ? Alors, on va voir si vous allez franchir le pas. Voilà. Allons-y, alors, comment... Alors, aborder cette dame. Et donc, je peux pas lui dire bonjour. Alors, première chose, si j'ai bien écouté, je dois savoir, voir si elle respire, c'est ça ? Oui. D'accord. Donc là, je me baisse et j'écoute, là, c'est ça, comme ça ? J'écoute ? C'est comme ça qu'on voit si ça reste. Alors, si elle déjà, respire. On lui demande de lui serrer la main. Ah ! D'accord. Ah, là, oui, d'accord. Pardon ? De cligner les yeux. D'accord. Bonjour, bonsoir. La conscience. Bonsoir, madame. Êtes-vous réveillée ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça a l'air bien. Hein. Ça fait drôle de la regarder comme ça. Donc elle ne me répond pas ? Elle vous répond pas, elle est... Inanimée. Inanimée, inconsciente. Inconsciente, d'accord. Et donc après, qu'est-ce que... Je la secoue un peu comme ça. Oui, vous vérifiez si elle est consciente. Et là, je mets mes gants, vous voyez, parce que je ne veux pas la toucher. Les vampires ne sont jamais passifs. Soignés ? C'est aussi soigner des fantômes. C'est se reconnaître en chacun d'eux, en évitant de s'y vautrer. Nous reconnaîtrons à l'humanité sa fabuleuse faculté de rebondir doucement, nous pensant coutumiers de la bienveillance. La vie est belle et insupportable. Commençons par chantonner dans les bruits qu'elle nous offre. Le temps d'étreindre nos monstres grandira bien. Nous nous tenons en équilibre précaire. Attentif à ni sombrer, ni nous moquer. Simplement évaluer la tempête sous le grain de sable. Avancer encore. Découvrir une jambe. Retrouver nos langues. Retourner. Traduire. S'arrête ici la transcription des premiers éléments de mon enquête que je souhaite nerveuse, brouillonne et précise à certains endroits, et surtout non encombrée. The moon we watched.
besides, there was a fire next to a royal cat, and what I remember of the past. And I don't see you, I don't see me. I swim in the crack of a desert breeze. He said a lot to me. He said a lot to me, but I don't see him in Coyote. I don't see him in Coyote. I don't see him. There was a forest. Did we swim? Were we dead or living? There was a road on this track, but I'm not sure of that. Was there a bus? Was this a dream? And did we kiss in Coyote? And did we kiss in Coyote? Did we kiss?